Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà. Je sais qu'il pleut dehors, mais merci d'être là, merci d'être présent pour la cérémonie d'ouverture de la 73e édition du Tour cycliste international des îles de Guadeloupe. Merci à la ville de Pointe-à-Pitre de nous accueillir ici dans ce hall des sports, Paul Chonchon. Merci à tous nos partenaires. Merci à l'ensemble des coureurs inscrits. Merci à tous. Merci à la population guadeloupéenne. Sans plus tarder, je vais demander à monsieur le maire adjoint en charge du sport dans la ville de Pointe-à-Pitre de bien vouloir venir sous vos applaudissements, monsieur Alain Sorez. Monsieur le maire, c'est à vous pour le mot d'accueil.
Bonsoir à tous. Bonsoir aux sportifs, coureurs du Tour cycliste de la Guadeloupe. Bonsoir aux invités, personnalités, élus de la Guadeloupe et représentant les partenaires du Tour cycliste. Au nom de M. le maire Harry Durimel, des élus de Pointe-à-Pitre, et au-delà aussi au nom de Éric Jalton, président de Cap Excellence, c'est un plaisir de vous souhaiter ici la bienvenue. Nous sommes encore dans une ambiance olympique. Vous voyez un peu les décorations. On avait le Club 2024 ici même. Donc j'espère que nous allons continuer dans la même ambiance et la même ferveur patriotique jusqu'au bout, mais également respectant les valeurs olympiques. J'aimerais remercier le comité régional de son président et son équipe au nom de la ville de Pointe-à-Pitre parce que 2024 c'est une année exceptionnelle. Le tour s'est adapté au calendrier, mais nous avons aussi la joie à Pointe-à-Pitre d'avoir une étape qui va arriver à Pointe-à-Pitre lundi. Alors je profite de ce micro pour lancer un appel à l'ensemble des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes. L'arrivée c'est à 13h à Pointe-à-Pitre. C'est en pleine journée, donc vous n'avez pas d'excuses pour les malparlants qui ont peur de la sécurité. Au contraire, Pointe-à-Pitre, c'est l'endroit idéal pour venir dès 10h du matin. C'est à la ville de la Guadeloupe où il y a les plus beaux restaurants. Et l'arrivée de l'étape se fera avec à votre gauche le parcours Candio, parcours sportif qui débouche sur un des meilleurs restaurants de la Guadeloupe. Et à votre droite, vous avez la place des dissidents, où il va y avoir des animations. Donc, bon tour à tous et aussi bienvenue à Pointe-à-Pitre ce soir et bienvenue à Pointe-à-Pitre lundi prochain pour la troisième étape. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci pour ce mot d'accueil. Mesdames, messieurs, eh bien, nous allons entrer dans le vif du sujet et je vais demander au président du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe, de bien vouloir venir sous vos applaudissements, monsieur Frédéric Théobald. Bonsoir à toutes et à tous. Je salue monsieur Sorez par le biais du maire Harry Durimel qui nous accueille ici dans un lieu symbolique. Paul Chonchon, qui a été un grand sportif. Nous avons voulu, bien sûr, cette année, pour cette 73e édition, innover une nouvelle fois. Pourquoi ? Eh bien, le Tour de la Guadeloupe, c'est une épreuve internationale qui est inscrite au calendrier UCI. Et on veut vraiment que cette compétition appartienne aux Guadeloupéens, à toute la population, aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. C'est la raison pour laquelle que nous avons depuis 2-3 ans, trouver des circuits pour sillonner, bien sûr, l'intérieur des terres, des quartiers comme Village Bouillante, entre autres. Et il y a beaucoup de personnes qui y habitent. Et on a voulu vraiment choisir cette voie-là. Mais avant tout, je tiens quand même à remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent depuis la période Covid. C'était pas simple. Nous avons organisé un tour de la Guadeloupe en plein mois d'octobre parce qu'on avait envie vraiment de sauver non seulement le comité mais aussi notre jeunesse. Et puis remercier aussi l'ensemble des clubs qui... C'est vrai que c'est pas simple de gérer le comité avec rigueur, tout ça, mais les clubs commencent à adhérer à cette idée, c'est que nous sommes soumis à des règles déjà par l'intra-fédération de tutelle, la FFC, et bien sûr l'UCI qui est l'instance internationale où les règles sont déjà fixées et on peut rarement y déroger. En y dérogeant, eh bien, quand il y a des problèmes, il y a des conséquences. Et cette année, nous avons voulu avoir un plateau de très haut niveau. Nous avons un vainqueur sortant, Benjamin Leny. Nous avons un double vainqueur en activité, Stéphane Bédette, qui est là. Nous avons nos amis de la Colombie. Nous avons un coureur qui vient de terminer troisième du Tour de Colombie. Nous avons nos amis belges qui évoluent à un niveau supérieur parce que ce sont des professionnels
Ils sont habillés en vert, c'est l'équipe Philippe Wagner-Bazin. Nous avons nos amis canadiens aussi, c'est une équipe aussi professionnelle qui évolue dans le circuit America Tour. Nous avons nos amis allemands, bien sûr, qui connaissent déjà le terrain. Et puis les équipes locales avec les Damien Hursel, on a Dylan Will, nos amis aussi de l'Espagne qui défend les couleurs des clubs locaux. Tout ça, c'est pour vraiment avoir un peloton international. La particularité aussi cette année, c'est que nous avons voulu délocaliser le départ. Nous avons un départ à Basse-Terre. Basse-Terre, c'est aussi le chef-lieu de la Guadeloupe. Et ce sera un prologue en faux plat montant. Demain, le premier coureur s'élancera à 13h30. Donc les routes seront fermées vers 11h, 11h30 à Basse-Terre. Donc si vous voulez vous y rendre, il faut prendre vos dispositions. Nous aurons une arrivée inédite à l'habitué Capesterre. Là aussi, on a voulu valoriser la destination Guadeloupe. Hein. On a des atouts, on a des rivières, on a de belles plages. Et on a aussi les chutes du Carbet. Donc on a voulu innover. Et puis on a une étape reine, l'étape du jeudi 29 août. Un départ à Petit-Bourg et une arrivée à Pointe-Noire. Nous aurons deux fois les ascensions des Mamelles dans les deux versants. Et puis une arrivée à Gommiers-Pointe-Noire avec un passage inédit dans un quartier que le maire de la ville, Camille Elisabeth, m'a fait découvrir. Et on a fait des repérages. Et bien sûr, on finira à Bémao-Jarry, sous les champs de Welbourg, pour la dernière étape. En tout cas, ce Tour de la Guadeloupe est basé sur les signes de la sécurité. La sécurité, bien sûr, des coureurs, de la caravane sportive, mais aussi vous, la population. Et c'est très important parce que y a des fanatiques, des barreurs de course qui connaissent déjà, mais c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui veulent éviter la course. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on soit prudent, faire preuve de civisme pour que cette édition soit la plus belle. Bien sûr, on a déporté un peu le tour à la fin du mois parce que les Jeux Olympiques impactaient bien sûr le Tour de la Guadeloupe. Et bien sûr, avec l'accueil qu'on a fait à Teddy Riner, qui a remporté la médaille d'or à deux reprises par équipe en individuel, cette année, on a pu décaler le tour du 23 au 1er août. C'est une exception, sachant qu'en 2025, on sera du 1er au 10 août. Je vais encore vous remercier, cher public, parce que sans vous, eh ben, les coureurs ne peuvent pas profiter de cette ferveur. Donc je tiens à vous remercier infiniment. Je vous souhaite un très beau tour de la Guadeloupe et vive le vélo. Merci à vous. Merci beaucoup, président. Et on se retrouve tout à l'heure, bien entendu. Merci beaucoup, président. Frédéric Théobald, président du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. Mesdames, messieurs, nous allons poursuivre ces mots d'accueil avec le président de la commission sport du conseil régional qui nous a rejoint. J'appelle monsieur Camille Elisabeth. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir au cher public, bonsoir aux coureurs locaux, aux coureurs invités, bonsoir aux personnalités qui sont présentes. Je ne vais pas être très long puisque nous ne sommes pas à l'heure des discours. Je suis simplement là pour vous dire que le président Harry Chalus, ayant un emploi du temps très chargé, n'a pas pu être des votes actuellement. Et il m'a demandé de le remplacer en ma qualité de président de la commission sport. C'est une chose que j'ai acceptée sans embâge. Vous dire que cette 63e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe sera, à mon avis, d'un coup exceptionnel, puisque nous aurons beaucoup de nouveautés, hein. Déjà avec le départ à Basse-Terre, et puis avec des tracés innovantes. Et là, je prendrai ma casquette de maire de Pointe-Noire, puisque Frédéric Théobald l'a dit. Vous savez, la CNBT organise
chaque année des étapes et on a mis en place un système qui consiste à faire en sorte que deux communes soient bénéficiaires d'une étape du tout à chaque session. Donc cette année, Pointe-Noire et Sainte-Rose sont les communes qui vont avoir des arrivées. Et avec le comité régional cycliste, nous avons parcouru le territoire de Pointe-Noire de façon à avoir une belle étape de montagne. Et nous aurons effectivement le jeudi 29 une étape qui part jusqu'à de Voyave, qui va grimper les mamelles dans les deux sens, dans un premier temps dans le sens Pointe-Noire vers la Grande Terre, et ensuite dans le second sens de la Grande Terre vers Pointe-Noire, et avec une finale qui va passer par la section de Morphy, la départementale 22, qui va grimper la partie du chemin communal qu'on appelle Grenade, et qui va s'arrêter au sommet de Gommier, là où on a l'habitude de juger les grands prix de la montagne. Donc ce sera une étape très sélective et je pense que le vainqueur de cette étape-là sera certainement le potentiel vainqueur du Tour de la Guadeloupe. En tout cas, je souhaite un bon Tour de la Guadeloupe à tous les participants, un bon Tour de la Guadeloupe donc aux coureurs, aux officiels, un bon Tour de la Guadeloupe aux organisateurs et puis disais-je que le meilleur gagne avec un bonheur de Venise. Je vous souhaite de toute façon un Guadeloupéen. Merci beaucoup, Président Camille Elisabeth, Président de la Commission Sport du Conseil Régional de Guadeloupe. Des personnalités qui étaient prévues, avec certainement le mauvais temps, ont un petit peu d'auteur. Nous allons pallier à tout cela. On va légèrement bousculer le protocole avec leur autorisation, bien entendu. Nous avons un représentant de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, M. Richard Albert, que vous connaissez bien dans ses fonctions. Ouais, c'est un sportif, il vient en trottinant. Voilà, M. Richard Albert, élu communautaire de la Riviera du Levant. Sous vos applaudissements. Merci Harry. Je salue la population, je vous salue tous. Je salue bien sûr les cyclistes, les collègues, les officiels qui sont à ma droite. Je salue aussi la presse, tout ce monde-là qui fait que le Tour est ce qu'il est en ce moment. Je salue surtout aussi ce président, le président M. Théobald, qui a eu cette idée de décaler le Tour par rapport au JO. Et nous avons vécu des moments exceptionnels au JO. Donc à cheval sur les deux, ça allait être difficile. Donc pendant cette semaine, on va vivre de grands moments parce qu'on connaît l'intérêt du Tour pour la population. Et ce sera une semaine remplie en émotions. Et bien sûr, j'y serai aussi. Et bien sûr, nous, moi, représentant de la CAOL, nous sommes partie prenante dans cette compétition maintenant depuis 3 ans parce que nous honorons et nous encourageons le maillot du meilleur jeune. Donc pendant toute la semaine, il y aura des maillots à remettre et j'espère que ça va être des jeunes Guadeloupéens. Et bien sûr, il y aura des étapes aussi qui vont circuler sur le territoire de la CAOL, Saint-François, Sainte-Anne, Gauzier, pas la Désirade cette année, mais on a eu l'occasion aussi de le faire. Donc bien sûr, j'attends et j'espère sur la fin qu'on aura un grand vainqueur guadeloupéen comme l'année dernière pour qu'on soit heureux en fin de parcours de la semaine prochaine. Merci à tous, bon tour à tous et bonne fête, grande fête pour le cyclisme guadeloupéen. Merci beaucoup, Monsieur Richard Albert, élu communautaire de la Riviera du Levant. Mesdames, Messieurs, nous avons également une autre élue communautaire, cette fois-ci de Cap Excellence. Nous avons Madame Polifonte qui est avec nous et qui va venir. Sous vos applaudissements également, Madame Polifonte. Oui, ça me va. Désolée, je baisse constamment parce que je suis de petite taille. Très bien, bonsoir à tous. J'interviendrai avec deux casquettes, si vous permettez. La casquette Cap Excellence, mais la casquette maire de Bémao, parce que le maire que je suis, j'accueille également une étape sur mon territoire. Et d'ailleurs, j'accueille la dernière. Il y a un adage qui dit que les derniers sont les premiers. J'apprécie chaque année d'accueillir la dernière étape. Bonsoir à tous. Je commencerai par féliciter. Je dirais pas
pas seulement le président, parce que quand on parle, souvent on parle du maire, on parle du président. Mais derrière, il y a des petites mains. Et ce sont souvent ces petites mains qui font ces hommes et ces femmes ce qu'ils sont. Je veux parler de toutes ces petites mains au niveau du comité du cyclisme et qui travaillent au quotidien autour du président Théobald pour que, je dirais, ce tour soit une réussite, mais aussi également toutes les épreuves que nous recevons tout au long de l'année, bien sûr sur le territoire guadeloupéen. Remercier aussi également pour leur engagement et leur dévouement les différents commissaires, que ce soit les commissaires de Guadeloupe ou les commissaires qui viennent d'ailleurs et qui, là encore, participent activement à la belle organisation de notre tour de Guadeloupe. Remercier, souvent on les oublie, eh bien, ces hommes et ces femmes qui sont dans les carrefours, dans les ronds-points, souvent voici qu'apparaît à Craseyo, et qui assurent quelquefois la sécurité, à la fois, je dirais, de nos cyclistes, mais aussi des usagers de la route que nous sommes. Remercier et féliciter aussi l'ensemble des clubs guadeloupéens pour le travail qui est réalisé aux côtés des coureurs. Et un coup de cœur particulièrement pour l'équipe Excelsior de ma commune, ainsi que son président. Remercier aussi l'ensemble des coureurs qui viennent d'ailleurs, parce qu'ils participent aussi à rehausser l'éclat du Tour de la Guadeloupe. Un tour qui, quelque part, je dirais, fait en sorte que l'économie de la Guadeloupe, ainsi que le tourisme particulièrement, puisse s'améliorer sur un temps. Un tour qui permet de vivre l'intergénérationnel, parce que lorsque vous regardez sur vos postes de télévision, vous voyez des bébés, des plus jeunes, des adultes, mais aussi les plus âgés participer. Pourquoi? Parce qu'en Guadeloupe, nous aimons ce sport. C'est un sport qui nous fait vibrer. On a parlé à l'instant de barret de course. J'ai été moi-même une grande barret de course parce que je dirais nièce, sœur et mère de cycliste. C'est un sport où on doit pouvoir allier combativité, résilience, mais aussi faire preuve quelque part de travail en collectif. Parce que si c'est déjà mon cycliste qui a forcé, mais si à côté il n'a pas, eh bien, ceux qui font partie de son équipe pour pouvoir l'accompagner, eh bien, souvent il y a qu'à dire, il n'est en filmaille. Eh bien, je veux pouvoir souhaiter à chacun. Et je n'ai pas oublié les partenaires. Merci à vous parce que quelquefois, les partenaires aussi nous accompagnent, même les collectivités villes que nous sommes. Je veux pouvoir donc vous souhaiter à chacun, à chacune, eh bien, un beau tour. Que ce tour soit beau, que ce tour soit un tour qui se passe, je dirais, en toute sécurité, parce que j'ai observé que pratiquement la dernière étape coïncide avec la rentrée des enseignants. Et souvent, on a beaucoup plus de voitures sur les routes. Il faudra donc faire attention à nos cyclistes sur ces deux jours avant la fin de l'étape du samedi et du dimanche. Donc, bon tour à tous. Que les épreuves soient belles dans chacune des communes. Et encore un grand rouleau bravo à nos coureurs, nos dirigeants de club et à l'équipe aussi également de Frédéric Théobald. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Voilà, c'est pas grave. Madame la représentante de Cap Excellence est également élue en tant que chef d'édilité de la ville de Bémao. Mesdames, messieurs, nous allons clore ces discours, du moins ces mots d'accueil, et nous allons terminer avec le commandant Colin qui est avec nous et qui va représenter, bien entendu, l'État, même s'il n'a pas de délégation. Bonsoir, commandant. Bonsoir.
commandant, encore un tour, je serais tenté de dire. Oui, encore un tour. Pour moi, ce sera le troisième. Et puis, pour la gendarmerie, toujours présent auprès de ce tour de Guadeloupe et des cyclistes pour assurer la sécurité du plus grand nombre. Des cyclistes en premier lieu, bien évidemment, de tous ceux qui participent à cette magnifique épreuve sportive, mais également aussi, surtout, des nombreux spectateurs qu'on va être amené à croiser sur les routes tout au long de ces 10 jours de course. Voilà. Donc la finalité, c'est vraiment d'assurer la sécurité. Et ce qui est important, c'est que les conducteurs qui seront amenés à se trouver face ou derrière le Tour de Guadeloupe respectent bien les injonctions des signaleurs pour pouvoir laisser le tour passer et prennent leur mal en patience les quelques minutes que durera ce passage. Par ailleurs, j'invite aussi tous ceux, le public nombreux, à faire attention au passage des cyclistes, hein, notamment si vous avez des animaux, à ce qu'ils soient bien tenus en laisse, à ce que les coureurs ne soient pas... ne pas courir à côté des coureurs, ne pas les gêner. Je sais qu'il y a beaucoup de ferveur, mais l'idée, c'est quand même que les coureurs puissent arriver sans accident et sans incident à l'arrivée. De même, si vous venez avec vos enfants, gardez toujours vos enfants sous surveillance de manière à éviter tout accident. Voilà. Pour que la fête soit au rendez-vous tout au long de ces 10 jours de course, puisque nous serons là avec vous pour participer à cet événement et participer à la fête qui est le Tour de Guadeloupe. Merci, commandant. Merci beaucoup, commandant. La fête sera belle, rassure-toi, nous avons une population qui aime le cyclisme et tout va bien se passer. Mesdames, Messieurs, juste avant de vous présenter les acteurs de cette 73e édition, c'est-à-dire les coureurs, nous allons marquer une petite pause musicale avec un groupe que vous aimez beaucoup. Je vais demander, sous vos applaudissements, à Double Face de bien vouloir venir et de s'installer pour cette petite pause musical. Double Face, sous vos applaudissements. Mesdames, Messieurs, le groupe Double Face que nous allons retrouver, ils vont nous faire un deuxième morceau. Belle petite pause musicale. Ensuite, ils vont nous accompagner pour la présentation des équipes. Alors, ils vont se mettre en place. Et un deuxième morceau. Quand vous voulez, Double Face.
Merci à Double Face. Voilà, vous allez vous mettre en place et là, nous allons commencer cette présentation des équipes. Voilà, les filles, vous pouvez lâcher la pause. Et allez... allez, on les applaudit très très fort, mesdames, messieurs. Nous allons commencer cette présentation, mesdames, messieurs. Et nous allons commencer par une équipe qui nous vient de l'Est de la Grande Terre, l'équipe du Guadabike 118, qui va représenter la commune de Saint-François. Guadabike 118. Et les coureurs, les jeunes coureurs que vous allez voir qui portent les panneaux, eh bien, ce sont les jeunes du centre de, des jeunes de préformation. Guadabikers, on y va. On y va. L'équipe du Guadabec 118 de Saint-François avec le coureur Émeric Bardoula, Romain Vineto, Mathieu Catherine et Kevin Duro. Voilà pour l'équipe du Guadabec 118 qui va représenter la commune de Saint-François. Vous allez passer devant les officiels et se prépare la SC Carac. L'équipe de la SC Carac, mesdames, messieurs, avec Aurélien Biebuc. Tu te lèves la main, merci. On puisse bien te voir. Stéphane Kitavini. Tony Lemler. Et le quatrième qui est au travail en ce moment, Grégory Ruff. Voilà cette équipe qui va représenter un quartier des Abîmes, le quartier de Carac. On les applaudit très très fort. Nous allons accueillir l'équipe de la pédale du centre. Ensuite, ce sera au tour du rayon d'argent.
Pédale du Centre de Mornalo, une équipe qui a longtemps offert de grands champions, mais qui renaît de ses cendres comme le Phénix, avec Thierry Alberi. Lindy Klaus. Yona Désiré. Teddy Taran. Voilà pour cette équipe de la Pédale du Centre, mesdames, messieurs, que je vous demande d'applaudir très très fort. Merci beaucoup. Se prépare le rayon d'argent. Le rayon d'argent, mesdames, messieurs, qui nous vient de Capesterre Bello, avec dans cette équipe Marius Cordier, Ken Post, Henri Jumeau, ah, il a des supporters lui, hein, Hatz Oulima. Voilà cette équipe du rayon d'argent avec ses quatre coureurs pour représenter Capesterre Bello. On les applaudit très très fort. Merci, tu redescends de l'autre côté pour saluer les officiels. L'Excelsior. L'Excelsior de Bémao, le premier club guadeloupéen qui a pris une affiliation à la Fédération française de cyclisme. C'était dans les années 40. Mesdames, messieurs, cette équipe sera représentée par les coureurs suivants. Harold Baulagne, Gaël Bordé, Lucas Vieillot, Odvet Clerger, Loïc Laviolette. Oula, l'applaudimètre t'es pas mal, hein, Loïc. Hein? Michael Albina. Voilà pour l'Excelsior qui va défendre les couleurs de Bémao. On les applaudit encore une fois très très fort. L'Espoir du Sud représente la commune du Gosier avec Claude Oliver, Médric Lolia, Larry Lutin, Anaël Mathias et Cyril Noyon Hippocrate. Voilà cette équipe de l'Espoir du Sud, ces garçons qui vont défendre les couleurs du Gosier, qu'on applaudit encore une fois. Merci beaucoup.
Vélo d'or du centre et de la Caraïbe. Une équipe qui va défendre les couleurs de la ville des Abîmes, la ville la plus peuplée de la Guadeloupe, avec Josuel Bruta. Et voilà. Alexis Caresmel. Lucien Matillon. Luc De Simone. Andy Luissin. Non, t'es pas coureur, Georges. C'est notre ami Georges Balta. Mesdames, messieurs, le VO2C, on applaudit très très fort. Merci beaucoup. Et nous allons accueillir une équipe qui nous vient de Petit Canal. Mesdames, messieurs, le guidon sprinter canalien, une équipe qui fait parler d'elle depuis le début de la saison. Cette équipe est composée de William Balgui, Régis Carpenter, Bastien Alexis Carrera Herrera, Cyril Bourdon, Gabin Védel. Et au sein de cette équipe, avec un maillot différencié, le champion du Burkina Faso, Paul Daumont. Voilà cette équipe qui va défendre les couleurs de Petit Canal. Et puis, on leur souhaite bonne route. Avec vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. L'équipe du Vélo Club Saint-Anais. Saint-Anais, donc ils vont défendre Sainte-Anne, bien entendu. Mesdames, messieurs, au sein de cette équipe des jeunes coureurs, ben avec un capitaine emblématique. Ce capitaine, eh bien, Kélian Duro. Yuri Marguerite. Maël Romney. Dylan Boucault, Tony Chris Vanoni. Voilà cette équipe du Vélo Club Saint-Anais avec bien entendu leur coach Dominique Donna, qu'on ne présente plus et que je vais vous demander s'il vous plaît d'applaudir très très fort le Vélo Club Saint-Anais, les rouges et blancs. Bonne route à vous et bonne chance. Mesdames, messieurs, l'USR Vélo Sautran Famat, USR Vélo Sautran Famat, Sainte-Rose, Sainte-Rose de Lima, je serais tenté de dire, avec des coureurs que vous connaissez bien, que vous appréciez, avec Adrien Alidor, Vladimir Jeanne, Jean-Philippe Conti,
Olandio Lake Watchers. Yuri Luce. Voilà cette équipe de l'USR Vélo Sautran-Famat qui va défendre les couleurs de Sainte-Rose. Ces garçons que vous allez applaudir encore une fois très très fort. Merci USR Vélo. L'équipe d'Embrass the World. Mesdames, Messieurs, vous avez déjà vu ce maillot sur le Tour de la Guadeloupe. Des garçons qui connaissent très bien les routes de Guadeloupe. Et il y en a un qu'on connaît très bien, qui a même déjà remporté les étapes. Une équipe qui nous vient d'Allemagne avec des noms très difficiles à prononcer, mais on va essayer. Même si je les écorche, ce n'est pas grave. Avec Aiko Omri Kosen. T'as vu, hein? Ensuite, nous avons, celui-là, on le connaît, Marcel Pichke. Allez, lève la main, Marcel, qu'on puisse te voir. Lève la main. Il veut rester caché. Julius Meyer. Bjorn Trankner. Là, j'ai écorché un peu. Hein. Clemens Averdung. Et Julius Bayer. Voilà pour cette équipe d'Embrass the World qui nous vient d'Allemagne et qui vont certainement nous offrir une très très belle prestation. Mesdames, Messieurs, je vous invite à les applaudir très très fort. Merci beaucoup. Vous les avez reconnus avec leur maillot jaune et vert. Mesdames, Messieurs, cette équipe, il y a certainement des supporters dans la salle. L'équipe de la jeunesse cycliste des Abîmes. Je le savais. Hein. Avec Kendrick Clavier. Lionel Mini. Jules L'Enclume. Maël Vingadassami. Samuel Alphonse. Et Jérémy Delumeau. Cette équipe est accompagnée par notre ami Harry Longfort. Donc voilà l'équipe qui va défendre aussi les couleurs de la ville des Abîmes. On les applaudit très très fort. Merci à la JCA. Mesdames, Messieurs, une équipe qui nous vient d'une région de France, l'Isère. Cette équipe, c'est Charvieux-Chavagneux-Isère Cyclisme. Avec Romain Arcangeli.
Emmanuel Moisan. Loris Kos. Thomas Husny. Mathis Lebeau. Et Elliot Pochard. Voilà cette équipe de Charvieux-Chavagneux dans l'Isère que je vais vous demander, mesdames, messieurs, d'applaudir très très fort. Bienvenue en Guadeloupe et bon tour de la Guadeloupe. Merci beaucoup. Voilà cette belle équipe que vous voyez devant vous, mais juste avant, je voudrais demander aux personnes qui ont franchi la barrière là-haut, excusez-nous, mais là, veuillez redescendre s'il vous plaît, parce qu'on a mis justement ces guirlandes pour ne pas passer de l'autre côté. Alors s'il vous plaît, redescendez s'il vous plaît, parce que si vous avez quelque chose, on est dans le lave. Alors s'il vous plaît, redescendez s'il vous plaît, il y a de la place en bas. Tous ceux qui sont au-delà de la guirlande, veuillez redescendre, s'il vous plaît. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, l'équipe que vous avez devant vous, c'est l'équipe qui va aussi défendre les couleurs de la ville des Abîmes. L'équipe de la convergence sportive abîmienne, avec Taino Caillot. Isao Cassiviale. Yonis Perez. Filji Palmiste. Mathieu Pellegrin. Et Mévin Gênes. Équipe qui est dirigée par Johan Gênes, que tout le monde connaît. Johan qui a fait 7 tours de France au sein de l'équipe de la Vendée Europe Cow, la Boulangère et autres. Merci pour vos applaudissements pour la convergence abîmienne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, la sélection de Madinina, sélection de Martinique, avec Florian Barquette, Josué Audebourg-Rina, Rémi Marcou, Christopher Hippolyte, Eddy Michel Cadémart, et Stéphane Bennett. Stéphane Bennett, double vainqueur du Tour de la Guadeloupe et le tout récent vainqueur du Tour de la Martinique. Mesdames, messieurs, les coureurs de l'île Sœur, qu'on applaudit très très fort. Bon tour à vous. Oui.
Mesdames, Messieurs, je crois que parmi toutes les équipes invitées, c'est cette équipe, peut-être pas avec les mêmes coureurs, mais c'est cette équipe qui a effectué le plus de tours de Guadeloupe. On se rappelle la belle victoire de 96 en Beneteau, de Philippe Mauduit en 97. Il me regarde, me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là, lui? T'étais pas né? Allez, avec... oui, il y en a tellement. Christian Blanchard, Blaise Chauvière, c'est Jean-Patrick. Jean-Patrick Nazon. Et bien entendu, Johan Gen, Wony Martias, qui est ici d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'il est là. Hein. Hein. Allez, mesdames, messieurs, l'équipe de la Vendée U, Pays de Loire, avec Lucas Grolier. Swan Guéveneux. Non, qu'est-ce que tu dis? J'ai mal prononcé ton nom? C'est bon? Ensuite, eh bien, lui, on le connaît, Caden Hopkins. Vous vous rappelez à Saint-Claude l'an dernier, il nous a foutu une OSC. Cette année, on t'attend. Hein. Dorian Lagrave. Sam Maisonob. Et Adam Mitchell. Mesdames, Messieurs, la Vendée U, Pays de Loire, on les applaudit très très fort. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Adam? C'est Adam? Bon, tant qu'il n'y a pas Ève, ça va. Allez, on les applaudit très très fort. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, la team Vélo Club Cycliste de Capesterre-Belle-Eau. Alors, mesdames, messieurs, cette équipe est composée d'Audric Blondin, de Kylian Cecilia, de Julien Maurice, de Pierre Kéfer, d'Adrien Ursel et de Damien Ursel. Damien qui a au bord son maillot de champion de la Caraïbe. Donc c'est lui le champion en titre et je rappelle que cette course-là c'est une course UCI. Donc voilà pour l'équipe de la team Vélo Club Cycliste de Capesterre-Belle-Eau. Nous leur souhaitons un bon tour de la Guadeloupe et merci pour vos applaudissements spontanés. Mesdames, Messieurs, cette équipe qui nous vient des Colombia, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de Colombie puisqu'on en avait plein dans nos équipes de Guadeloupe, mais cette fois-ci c'est une sélection de Colombie et cette équipe c'est une équipe pro, la team 6 Credito que vous voyez devant vous avec les coureurs suivants, Wilson Peña. C'est pas Flaubert, hein?
Sébastien Castagno. Jason Reyes. Kevin Castillo. Juan Diego Hoyos. Et José Misael Uriana. Et l'entraîneur Pablo Vélez, que nous saluons également. Voilà, il est jeune, mais il a de l'expérience. Mesdames, Messieurs, on applaudit très très fort cette équipe de la Colombie, la Team Sista Credito. Muchas gracias. Mesdames, Messieurs, cette équipe que vous voyez devant nous, nous vient de la Belgique une fois. Ah, j'ai pris l'accent pour vous présenter. Hein. Philippe Wagner Bazin, une équipe pro-continentale, avec Enrico Daillé, Casper Saver. Il a un nom bien de chez nous, celui-là. Thomas Devaux. Non, c'est pas Roland Devaux, hein, c'est Thomas celui-là. Quentin Beza. Chine Béraud. Et Alan Boileau. Mesdames, Messieurs, cette équipe pro-continentale, Philippe Wagner Bazin, qui nous vient de Belgique. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de les applaudir très, très fort. Merci. Mesdames, Messieurs, la team Madras Cycling qui va défendre également les couleurs de Saint-François, les bleus azur de la Pointe des Châteaux, avec des coureurs que vous connaissez très très bien, qui vous font vibrer toute l'année, sous la direction d'un grand Max, Yanis André Lubin. Alors, je rappelle que Yanis, il n'a pas son maillot avec lui, mais il est... C'était le championnat, Yanis, championnat du contre-la-montre caribéen, c'est ça? C'était à Riche Plaine. Et ensuite, nous avons Julien Chenfoc. Il est tellement sérieux, Julien, là, je sais pas. Alors, je rappelle que Julien nous vient de l'île de la Réunion, comme Mathieu Pellegrin. Ensuite, nous avons dans cette équipe de la Team Madras, winner Andrew Anacona Gomez. Ensuite, le sprinter de l'équipe, Paul Herbras Garcia. Avec son maillot de champion de la Guadeloupe, un des maillots, parce que là, je ne sais pas combien il en a, mais celui-là, c'est le dernier du contre-la-montre individuel, Raphaël Lauton. Et je dirais l'ex-champion 2023, vice-champion 2024, sur route, Axel Taillandier. Et Axel, qui a loupé le podium l'an dernier de très peu,
et qui cette année s'est préparé pour équipe dirigée par Max Macambou. Mesdames, messieurs, je vais vous demander s'il vous plaît de les applaudir très très fort, ces garçons de la team Madras Cycling. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, cette équipe qui nous vient d'un pays froid, un pays très froid, un pays qui est... Hein? Cette équipe nous vient du Canada avec Charles Duquette, Jérôme Gauthier, Félix Hamel, Philippe Jacob, Ethan Powell et Alexis Bouchard. Alors je rappelle que la team Ecoflow Kronos est une équipe continentale pro. Oui, il y a du beau monde, hein. Ce n'est pas Ecofiolo, hein, c'est Ecoflow. Ça va les garçons? Hein? Je t'ai eu là. Hein? Allez mesdames et messieurs, on applaudit très très fort cette équipe qui nous vient du Canada. La team Ecoflow Kronos. Bon tour à vous. Mesdames, messieurs, l'équipe tenante du titre, l'équipe peut-être la plus capée en Guadeloupe, l'équipe de l'Unisport Lamantinois. Avec des coureurs qui nous font plaisir à chaque week-end, sous la direction de leur coach. Mesdames, messieurs, il nous vient de la Guyane. Mais il a choisi la Guadeloupe pour progresser. Le coureur Dylan Will. C'est bon? C'est bon? Alexandre Rabineau. Alors Diego, t'as fait combien de tours de Guadeloupe? T'es à ton 8e tour. Mesdames, messieurs, ce garçon adore les routes guadeloupéennes. Diego Milan Jiménez. Je l'appelle communément mon légionnaire. Mesdames, messieurs, avec sa belle barbe, Baptiste Chardon. Le champion de la Guadeloupe 2024 sur route, Yanis Agricole. Et puis nous avons le tenant du titre, mesdames, messieurs. L'année dernière, on ne connaissait pas qui c'était. Aujourd'hui, eh bien, il est dans le cœur de tous les Guadeloupéens. Le dossard numéro 1 de ce 73e Tour cycliste de la Guadeloupe, Benjamin Ledy.
Benjamin Leni qui prendra le départ demain, le dernier, hein, parce que c'est le tenant du titre. Mais comme c'est un gars, il ne se met pas de pression. Ça c'est sûr, il va nous sortir quelque chose de merveilleux demain. Sous la direction de notre ami Fabrice Gênes. Voilà, merci à l'USL. Bonne chance et bon tour. Et la dernière équipe que nous allons vous présenter, mesdames, messieurs, ils sont tous là. Mais oui. Il n'y a que pour toi qu'on aurait fait ça. Hein. Mesdames, messieurs, cette équipe va monter sur l'espace. Mesdames, messieurs, l'Union Vélocipédique du Nord, d'où est sorti le premier vainqueur du Tour de la Guadeloupe en 1948, en la personne de Robert Carlos, ensuite son frère Maxime et puis Robert encore. Et bien voilà, cette équipe est composée de Karl Legrand, Médric Hirka, Menrik Etena et bien entendu le chouchou de tous les Guadeloupéens, Kéran Baolin. Voilà pour cette équipe de l'Union Vélocipédique du Nord, l'UVNOR. On les applaudit encore une fois très très fort. Bon tour à vous et offrez-nous le meilleur de vous-même. Alors après cette présentation des équipes avec double face qu'on applaudit encore une fois très très fort, s'il vous plaît. On les a fait transpirer un peu, mais c'est bien, c'est pour la bonne cause et l'entraînement pour janvier. Alors, les coureurs sont libérés maintenant, mesdames, messieurs. On va continuer avec la présentation des maillots, mais entre-temps peut-être qu'on a reçu, Frédéric, quelques personnalités. On va juste regarder. Mais on va faire cette présentation des maillots. Je vais demander à Christine de se préparer pour cette présentation des maillots. Chantal. Entre-temps, double face, ça va? Vous êtes en forme? Est-ce que vous voulez du double face? J'ai pas entendu. Bon, il n'y a que ce groupe-là. Là, vous ne voulez pas. Hein? Alors, double face. Double face, vous allez passer de l'autre côté, parce que ceux-là, ils ne veulent pas. Alors, mettez-vous en face du podium. Mais non, mais c'est sérieux. Allez-y, mettez-vous en face, puisqu'ils ne veulent pas par là. Vous voulez? Bon, allez, amusez-vous, double face.
non. Je vais un peu plus d'applaudissements. Alors, nous allons... Ça va, double face? Vous vous amusez bien? Vous êtes sûr, hein? Ah, je vois notre petit CP déjà. Allez, monsieur Le Kessler, tu peux donner le tempo. Le deuxième morceau, 2 minutes 30, toi. Ah oui? Je change de casquette. Magnifique, bravo, merci à Double Passe. Mais je suis un petit peu triste parce que je pensais avoir beaucoup plus d'applaudissements. Allez, un applaudissement, applaudissement plus fort que ça. Merci beaucoup, on va me permettre de souffler un peu. Non, j'ai pas de la méchanceté à moi, non, faut pas... Merci beaucoup. Alors, vous pouvez souffler un moment. Je vous permets même de sortir si vous voulez. Coincé? Ah ben c'est comme vous voulez. Mesdames, messieurs, nous allons vous présenter pendant quelques petites minutes le tracé de ce tour sur le grand écran. Alors je vous prie de bien suivre ce tracé. Et nous allons commencer tout de suite avec le prologue qui va se dérouler demain à Basse-Terre.
mesdames, messieurs, pour le tracé de cette 73e édition du Tour cycliste international des îles de Guadeloupe. Merci à l'équipe qui a préparé ce beau document. Mesdames, messieurs, maintenant, nous allons vous présenter les différents maillots de ce tour. Ces maillots sont devant vous. Mais à chaque fois, nous allons demander aux partenaires de nous rejoindre. C'est parti pour le premier maillot. Le maillot orange, patronné par le Crédit Mutuel. Ce maillot est le maillot des sprints qu'a remporté l'an dernier Baptiste Chardon. Et il m'a dit que ça va être son objectif cette année. Le maillot de classement des points chauds, patronné par le Crédit Mutuel. Le prochain maillot est le maillot bleu. Maillot du classement combiné. Alors c'est quoi ce classement combiné? Eh bien c'est l'addition des places de trois classements. Le classement général individuel, le classement point et le classement du meilleur grimpeur. Et celui qui a la plus petite somme est leader de ce classement. Classement combiné patronné par Corsair. Voyager en bonne compagnie. Le transporteur officiel de ce Tour de la Guadeloupe. Le prochain maillot est le maillot blanc, maillot patronné par la Riviera du Levant. Nous avons M. Richard Albert qui est là et qui a pris la parole tout à l'heure. La Riviera du Levant, la communauté d'agglomération Riviera du Levant qui patronne ce maillot du meilleur espoir. Ce sont les coureurs de moins de 23 ans. Donc maillot blanc que patronne la Riviera du Levant. Merci. Prochain maillot, le maillot blanc à pois rouge. Le maillot patronné par CMA-CGM. Et j'ai Madame Séné qui est avec nous, qui va me rejoindre. Maillot du classement du meilleur grimpeur. Le maillot préféré de Damien Hursel. Madame Séné, on est content que vous soyez là avec nous, avec ce beau maillot blanc à pois rouges, patronné par la CMA-CGM. Tout à l'heure, vous voyez, on vous a laissé la place. Et un petit mot, Madame Séné. Merci, moi aussi, je suis fière d'être là ce soir pour représenter la CMA-CGM qui patronne ce maillot de la montagne, hein, qui est aussi... un maillot qui représente les efforts que l'on peut faire sur le vélo et les efforts que l'on peut faire dans une entreprise comme la nôtre. Et donc on est heureux d'être là, on souhaite un bon tour à tous et puis on sera à l'arrivée pour voir le vainqueur de ce beau maillot. Merci. Merci Madame Séné. T'es toute belle entre les deux maillots là. T'es toute belle entre les deux maillots. Hein? Allez, mesdames, messieurs, on applaudit très, très fort la CMA-CGM. Merci beaucoup. Le prochain maillot, maillot vert, patronné par le Conseil départemental de Guadeloupe. Et j'ai M. Dulac qui est présent. M. Dulac qui va me rejoindre. M. Dulac.
il arrive Monsieur Dulac, président de la commission sport du conseil départemental de Guadeloupe. Voilà, concernant le maillot vert, il faut savoir que ce maillot symbolise le coureur le plus régulier sur l'ensemble des étapes. Les étapes dites de plaine, donc les étapes plates, il y a beaucoup plus de points. Et les étapes de montagne, comme l'étape de jeudi, samedi, il y a moins de points. Donc le maillot vert symbolise vraiment les meilleurs sprinteurs, routiers sprinteurs en fait. Donc c'était important de le rappeler. Merci pour cette précision, Président. Alors je vais t'inviter, Monsieur Dulac, à te mettre dans l'espace. Non, mets-toi dans l'espace dédié. Voilà. Alors un petit mot, Monsieur Dulac, pour ce tour, 73e édition, et ce partenariat pour ce maillot vert, maillot du classement point, deuxième maillot dans la hiérarchie. Merci, bonjour à tous, bonsoir plutôt à tous. C'est vrai que le département Guadeloupe fait en sorte d'accompagner le sport hein, et aussi le cyclisme. Et à travers le comité directeur, nous avons tout mis en œuvre cette année pour permettre aux coureurs guadeloupéens d'arriver en forme sur ce tour cycliste de Guadeloupe hein, qui est l'apothéose de la saison cycliste. Donc nous souhaitons simplement un bon tour, que le meilleur puisse gagner, mais un bon tour. On souhaiterait que ce soit un guadeloupéen comme l'année dernière qui puisse gagner ce 73e tour cycliste de la Guadeloupe. Mais que la fête soit belle, que les guadeloupéens puissent profiter pleinement de cette fête et le département Guadeloupe sera toujours présent aux côtés du comité directeur de cyclisme de façon à montrer le savoir-faire des Guadeloupéens en matière de cyclisme. En tout cas, merci à tous et bon tour. Merci Monsieur Dulac. Merci Monsieur Dulac et la petite photo souvenir. Voilà. Attends. Voilà. Merci beaucoup, on applaudit encore une fois Monsieur Dulac, président de la commission sport du conseil départemental. Allez, et maintenant, tu nous envoies le maillot de leader. Mesdames, messieurs, il a coupé la musique. La musique. Le maillot de leader, le maillot pour lequel les coureurs se sont inscrits et qui représente la région. Camille. Allez, les trois, ils vont venir. Venez tous les trois. Allez, mesdames, messieurs, le maillot jaune. Comment il dit ça en espagnol, le maillot? Le maillot jaune. Le maillot jaune. Alors, Frédéric, je te laisse le micro. Savoir déjà que la région est le partenaire majeur bien sûr de cette 73e édition comme les précédentes éditions. La région accompagne non seulement le comité cyclisme mais beaucoup de ligues et comités, beaucoup d'infrastructures et c'est important d'avoir cette collectivité majeure à nos côtés, bien sûr comme la collectivité départementale entre autres les EPCI. Mais il y a une histoire depuis plusieurs années avec la région et le maillot jaune, et c'est un maillot qui est très très convoité, et comme on voit le palmarès, c'est pas évident de remporter le tour, et même porter le maillot hein, sur un tour, c'est pas évident de porter le maillot jaune, et surtout demain, il va falloir avoir les conditions physiques adaptées pour le porter, mais en tout cas, je sais pas qui va s'exprimer, si c'est Monsieur Pili, Le tour cycliste, c'est le tour de tous les Guadeloupéens. Et quand on dit de tous les Guadeloupéens, on n'oublie pas que le comité cycliste et la région Guadeloupe sont partenaires de cette manifestation aussi pour emmener les personnes en situation de handicap sur le tour. C'est une belle action, c'est notre tour à nous tous Guadeloupéens. Nous devons continuer à nous l'approprier et merci à tous de pouvoir contribuer vraiment à cette manifestation. Et le côté sportif, eh bien on va tous rêver autour de ça, tous ensemble bien unis sur le sujet. Alors ben la région continue tout naturellement à accompagner le tour comme nous le faisons en fait pour tous les sports. Comme l'a dit mon collègue, c'est le tour de tous les Guadeloupéens, de tous ceux qui sont en Guadeloupe au moment de cette manifestation. Donc soyez prudents et puis bon tour à tous et félicitations à tous ceux qui vont l'animer pendant cette semaine.
Mes deux collègues ont tout dit. Je serais tenté simplement de vous dire que nous étions, c'est la mise en bouche cet après-midi. Demain après-midi, nous allons entrer dans le vif du sujet à Basse-Terre avec une étape inédite, puisque ce ne sera pas du plat complet. Basse-Terre, c'est pas plat, c'est bosselé. Donc le contre-la-montre va déterminer déjà une première figure, une première idée de ceux qui vont pouvoir dominer ce tour de la Guadeloupe. Et j'espère que tout un chacun sera présent dès vendredi jusqu'à dimanche pour suivre les coureurs guadeloupéens, les encourager et que le tour 2023 soit 24 soit un beau tour et vivement le tour 2025. Merci Jean-Marie Pili, merci Ginette Samson et merci à Camille Elisabeth. Avant de vous présenter le collège arbitral, il faut bien comprendre aussi que nous avons une équipe qui organise le tour cycliste. Mais la gestion sportive, ce n'est pas Frédéric Théobald ni notre équipe. C'est le collège arbitral qui gère la partie sportive. Je vais les appeler dans un instant, mais juste un point important, et on va leur appeler chaque jour. La sixième étape, Petit Bourg, Pointe Noire, il y aura deux fois l'ascension des mamelles. Petit Bourg, Pointe Noire. Les mamelles seront fermées dans les deux sens à partir de 8h du matin jusqu'à 15h30, fermé intégralement. Donc si vous voulez vous y rendre, il va falloir prendre vos dispositions très 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 tôt. C'est pour des mesures de sécurité, mais on aura l'occasion de le rappeler. Pour l'habituer, ce sera fermé aussi, mais c'est l'arrivée au sommet, mais cette étape-là, parce qu'on monte les mamelles dans les deux versants. Pour présider le collège arbitral, je vous demande d'accueillir Jordi Gual. Il est... Viens. Benga, benga, benga. Benga. Voilà. Il est originaire d'Espagne, mais des îles Baléares. Ce monsieur, très expérimenté. Peut-être juste une seconde, après je vais appeler les autres. Ça, c'est une improvisation. C'est Théo. Bien. Je viens avec. Je suis très content quand j'ai reçu la désignation. Moi-même, je habite à Nîmes. Je suis originaire de Majorque aussi. Et je comprends un peu la situation. Bien sûr que Guadeloupe, c'est très long. Mais quand j'ai vu l'enthousiasme des personnes, la sympathie et la dédication, moi, je suis impliqué avec lui. Et moi, je l'ai dit dans la réunion de sécurité, dans ma tête, pour moi, la course plus importante du monde, c'est la course que je suis présent. Maintenant, la course plus importante du monde, c'est le Tour de Guadeloupe. Reste, 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 reste. Voilà, il est commissaire international, c'est très important. On a un deuxième commissaire UCI. Comme j'ai dit, c'est pour... Voilà. Je vous demande d'accueillir, mais oui, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Max Michaud, il est décontracté, hein, c'est normal, voilà. Max Michaud, il était, il y a 2 ans, président du jury du Tour de la Martinique. On a un régulateur, c'est lui qui est là pour réguler l'échelon course, les motos presse, pour que la course ne soit pas faussée. Jean-Louis Minot. Jocelyn Lérémond, est-ce qu'il est là? Elle est juge à l'arrivée. Je vous demande d'accueillir Rosemary Nègre. C'est elle qui... sera juge à l'arrivée. Elle était surprise quand on lui a dit qu'elle sera juge. Elle est allée chez sa coiffeuse. Il dit, ben, mets tête en main, bien, bien, bien. Voilà. Elle sera assistée par Guylaine Créantor. Voilà, on a mis 2 femmes. Parce que quand les femmes sont aux affaires... Voilà. Après les autres.
Voilà, mais c'est un collège. Thierry Ferdinand, qui sera juge à moto. Il nous vient de la Martinique. C'est l'élu président de la commission arbitrale de la Martinique. Il sera juge à moto. Donc on essaie, pour la neutralité, on essaie de diversifier pour que la course soit plus neutre possible. Et puis on a Roger Clerc, Alexis Jean-Louis, Gabi Zozo, Lucas Pouja, Damo, Alfred qui sera Moto Info. Voilà. Ce sont ces personnes qui seront là pour gérer la partie sportive. Voilà. Merci. Et vu qu'on mette la photo du maillot blanc pour Richard Albert. La photo, remettre le maillot blanc, Riviera du Levant, pour faire la photo avec Richard Albert. Voilà. Voilà, ce maillot symbolise aussi le maintenant on parle de U19, U15, U19, U23, mais c'est le coureur le mieux classé dans le classement général, individuel. C'est lui qui porte le maillot. Bien sûr, le maillot jaune est prioritaire. Imaginons un instant que demain, le coureur qui gagne le prologue, c'est un U23. Eh bien, il sera titulaire des deux maillots, mais le maillot jaune sera prioritaire. Donc, c'est le deuxième U23 du classement de demain qui revêtira le beau maillot blanc. J'ai dit un mot. Oui. Eh bien, merci Frédéric. Tu restes avec nous parce que là maintenant, mesdames, messieurs, merci d'être restés avec nous pendant toute cette belle présentation. Je vais demander à nos amis de Double Face de se mettre en place. Mais juste avant de terminer cette cérémonie d'ouverture avec Double Face, je vais laisser la parole au président du comité et président organisateur de ce 73e Tour cycliste international des îles de Guadeloupe. Je vais demander à M. Collin de te rejoindre. Commandant Collin, si tu veux bien venir, s'il te plaît. Et le président, mettez-vous en place à Double Face. Et le président, avec le commandant Collin, c'est vous qui allez prononcer l'ouverture de cette 73e édition du Tour cycliste international de la Guadeloupe. Je vais vous laisser le micro. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir supportés. Et on vous souhaite un bon tour de la Guadeloupe. Et on se dit à très bientôt. Et si je rappelle, depuis l'an dernier, nous avons innové parce que, comme je vous dis, le Tour de la Guadeloupe, c'est une épreuve UCI. Donc, nous avons des équipes obligatoires à inviter. Et depuis l'an dernier, nous avons mis une prime financière pour le meilleur Guadeloupéen de chaque étape. Donc, c'est 200 euros au meilleur Guadeloupéen de chaque étape pour les motiver. Voilà, donc c'est pour les encourager parce que, comme je dis, les gars sont des pros, mais l'idée, c'est d'encourager nos coureurs aussi sur l'ensemble des étapes. Bon, je vous dis encore merci d'avoir fait le déplacement. Soyez prudents, faites passer des messages de sécurité. Il y a aussi un point du règlement aussi, c'est, on l'a rappelé hier à la réunion ce matin à la réunion des directeurs sportifs. Les ravitaillements, il y a des zones de ravitaillement, c'est vrai qu'il fait chaud ici, mais les coureurs ne peuvent plus jeter des bouteilles, surtout aux mamelles. Les mamelles, c'est une zone protégée, donc c'est très compliqué. Après, quand les bouteilles sont en contrebas pour aller récupérer. Donc, il y a des règles qui ont été rappelées ce matin. Donc, il faut qu'on laisse la Guadeloupe propre. On a un bel archipel. En tout cas, merci, merci. Et on espère vivre un très, très, très beau tour 2024 pour cette 73e édition. Je vais laisser le commandant Raphaël Collin conclure parce que la sécurité, c'est ce qui prime.
En fait, tout a été dit déjà, Frédéric. Hein, donc, effectivement, comme vous l'avez dit, la sécurité, c'est ce qui prime, puisque la fête ne sera la fête que si tout se passe bien. Donc, c'est de la responsabilité de chacun, c'est de la responsabilité de tous. Nous, on est présents pour ça. On est présents pour partager aussi un moment d'échange avec le public, qui est précieux. C'est un moment rare. Que ce tour de Guadeloupe et on a hâte de se retrouver sur les bords de la route pour ce grand événement. Merci. Oh. Merci. Et on va laisser le groupe Double Face voilà, clôturer avec nous. Si vous voulez, on savent des fois, si vous voulez rentrer dans le groupe, rentrer dedans, n'hésitez pas. Hein. Yoravin. Le 73e Tour cycliste international de la Guadeloupe, c'est du 23 août au 1er septembre avec la région Guadeloupe. Le partenaire majeur des grands événements vous invite à vibrer avec nos coureurs locaux et les 11 équipes invitées sur les 9 étapes. Il y aura de l'esprit d'équipe, des stratégies sportives, de l'abnégation face à un parcours de près de 1391 km, le plus long de l'histoire de cette course mythique. Vivez le Tour à chaque seconde avec la région Guadeloupe, terre de champions. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.